Hey tout le monde, c'est Horror Collection. Alors aujourd'hui donc, on se retrouve pour un unboxing. Donc l'unboxing d'un masque de Scream 2, donc nommé RDS, donc qui a été utilisé pour la scène de la mort de Rose. Traduction littérale, Rosie Dead Scene. Donc c'est un masque qu'on peut voir donc comme je viens de dire dans Scream 2. Et on peut donc dans les scènes donc pour la mort de Randy, et on peut le voir aussi donc dans la scène d'intro donc qui se déroule dans le cinéma. Donc quelle est la particularité de ce masque? Bah tout simplement les yeux sont plus fins, surtout ça, et le nez non plus n'est pas le même, voilà. Mais c'est surtout les yeux qui sont marquants. Donc je suppose surtout que c'est un RDS, hein, un RDS, parce que je l'ai acheté donc sur le Bon Coin pour 15€ plus 3€ tryport, donc 18€. Donc sachant que ce masque continue à prendre de la valeur, bah, c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, donc j'espère que ça va être ça. Donc normalement sous le menton il devrait y avoir écrit, si je me trompe pas, Esther Limited Inc. et deux lettres donc MEK juste à côté. Voilà. Donc je pense que ça va être ça. Donc pas vraiment petit souci, mais regardez. Donc là vous me voyez donc mon fearsome face. Donc tagué Fun World. Je sais pas si on le verra bien à la caméra. Voilà. Donc bon, ça vous permet de voir la dimension d'un masque de Scream. Voilà. Pour la vidéo. Et voici donc la boîte que j'ai reçue. Donc le masque doit être vraiment archi plié. Donc j'espère qu'il va se reformer directement. Car sinon, ça va prendre du temps. Bon, alors j'espère que je vais pas galérer pour l'ouverture. Non, apparemment, je peux l'ouvrir par là. Ouais, allez. Alors. Bon. J'aurais dû prendre. Non, c'est bon en fait, c'est bon. Ah ouais, carrément en plus. Il est encore dans un truc plus petit. Ah ouais. Ou le manteau. Le manteau plié, je pense. Le manteau plié. Ah là là. Ah oui. Oh là là, il est bien plié. Hop là. Ah ouais, moi ça va. Donc regardez les yeux. Ah putain. Il est bien plié. Alors attendez, je regarde si c'est bien. Oui, c'est ça. Alors regardez. Donc, est-ce qu'on va bien le voir? Ouais. Donc, avec le reflet. Donc, Esther Unlimited Inc. Majin China. Et là, vous pouvez voir le petit MK. Voilà. Juste là. MK. Donc voilà, donc c'est bien un masque donc de Scream 2. Et donc l'European version, elle s'appelle, voilà, la version européenne. Hop, l'autre fearsome face à côté. Voilà. Alors, mince, on voit que dalle. Je te demanderai. Voilà, donc vous pouvez voir qu'au niveau des yeux, bah c'est vraiment pas pareil. Et le nez non plus. Bon. Alors, au niveau de du masque, il est vachement plus souple que celui-là, je trouve. Voilà. Après, bon, il a jauni avec le temps, c'est normal. Là, donc, il a bien été plié, donc, ça a assez élargi. Donc, j'espère qu'il va bien se reformer. Voilà, mais je pense qu'avec le temps, il va se reformer. Après, niveau, bah, qualité de l'état du masque, à part qu'il soit jaune, bah, franchement, bah, ça va. Voilà. Au niveau du tissu, bah, c'est normal, c'est du tissu pour le fearsome face. Rien de spécial, il n'y a pas de trou dans le masque ni sur le tissu. Donc bah je suis heureux de l'avoir, parce que ce masque je l'ai vu sur le Bon Coin, sur Bon Coin, j'ai vu sur eBay, et il était à, je sais pas, il était à 150$ je crois. Donc franchement je suis super heureux de l'avoir. Voilà, donc pour 18€ frais pour inclus, je suis vraiment heureux. Bon, c'était Horror Collection, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Ciao !